Ce qui est intéressant ici surtout, déjà on a ça qui est bien sympa, hein. C'est quand même des munitions assez puissantes. Mais on revient à un endroit qu'on a déjà visité. On revient en dessous du passage secret du commissariat. On pourrait se dire, ouais, mais ça sert à rien de revenir au commissariat. Mais si, si, parce qu'on a trouvé une pellicule à développer. Hein. On a trouvé ça ici. Une pellicule non développée, elle porte l'inscription plan. Et de toutes les pellicules, c'est la plus intéressante. Ouais, voilà. Ça, on peut jeter. On n'en a plus besoin. Oh, God, no. Mark. Oh non, pas appuyer! Enfoiré! Je vois pas ce que je fais du coup. Voilà. I'm sorry. Bah moi pas. Nous disions donc, oui, allez développer la pellicule. Planque. Donc on a deux photos. On a une photo, ça c'est le bureau des Stars, et ça c'est la salle de conférence. On va commencer par aller dans le bureau des Stars. C'est ici en fait. Alors, on a une boîte avec écrit Lightning Oak Kendo Custom Shop. Prototype modèle phase 1. Chargeur grande capacité, ça c'est super. C'est pour notre les mitrailleurs. Et c'est quand même vachement pratique parce que on n'a plus 24 balles, on en a 50. Parce que vu la vitesse à laquelle on tire, hein, c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi je vais par là? J'ai déjà tout pris, j'ai plus besoin de rester ici. Maintenant, faut aller à la salle de conférence. On y va doucement, il y a toujours un liqueur, c'est ici, qui traîne. Il doit être là-bas, je pense. Ah ouais, il est là.
Si on marche aussi, parce que si je me rappelle bien, ouais, on a un petit zombie là qui a l'air obsédé par ce qu'il y a derrière la porte. Bon, si on marche tranquille, logiquement, il nous entend pas. Cartouche à aiguille x7. Munition pour fusil électrique qui contient des aiguilles capables d'infliger d'importantes décharges électriques. Bon, c'est une arme qu'on n'a pas encore. Mais des munitions, c'est jamais de refus. Alors, ce qu'on va prendre aussi, c'est ça. Peut-être ça. Un silencieux atténue le bruit du tir et réduit fortement le relèvement du canon. Ça, c'est assez sympa. Je me suis toujours demandé ce que ça foutait ici. Mais bon, oh, écoute. Enfin, ce que je trouve bizarre, c'est surtout qu'on ait besoin du badge des Stars pour ouvrir ça. Alors que les Stars ne sont pas censés être au courant de cet endroit. J'ai toujours trouvé ça un peu particulier, mais bon. Maintenant, on peut retourner dans les égouts. Ça, ça coulait, c'était la carte. Donc j'ai ramassé tout ce que je pouvais ici. Ici aussi. Et puis alors, il ne manque plus que les quelques salles que je n'ai pas encore faites. Il faut aussi que je récupère ceci. Ouais, c'est par là. Dis-moi, est-ce que j'ai assez de place à mon inventaire? Logiquement, oui. Maintenant, on va aller dans la dernière salle. Enfin, salle. Au dernier endroit où je dois aller que je déteste. Je n'aime pas du tout cet endroit, mais bon, faut bien y aller. C'était dégueulasse, c'était gratuit, merci. Jesus, they're everywhere. Je ne peux pas y aller. J'aime pas cet endroit. mmh.
Je les déteste. Je sais que t'es là, hein. Allez. Je déteste ces trucs. Je les déteste. Et soit dit en passant, cet endroit est bien dégueulasse, hein. Tout a l'air d'être fait de chair, ce truc. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse! Ah! Mais où tu vas? Mais mec, reviens! T'es toujours pas mort? Oh putain! Voilà! Maintenant t'es au sol, c'est parfait. Logiquement, il en reste un. Et j'ai ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser, donc c'est bon. Non, tu ne craches pas tes merdes sur moi. Oh, je déteste ces trucs. Je déteste ces trucs, je déteste cet endroit. Alors, on va déjà commencer par lui. Parce que lui, je sais qu'il va me faire chier après, donc. Je vois pas ce que je fais. Voilà, comme ça, il m'emmerdera pas quand je serai en bas. Ok, donc ici, c'est une énigme dans une pièce en fait. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a des panneaux où on doit mettre quelque chose dedans. Hein. Donc, on voit bien ici, par exemple, que c'est la pièce du roi que je n'ai pas. Et on a ici, par exemple, la reine. On va déjà prendre la reine. Si on fait ça, ça ferme la porte. Maintenant, je peux plus sortir. Donc, il va falloir se frayer un chemin dans toutes ces portes. Pour pouvoir sortir. J'ai oublié de combiner. Avec les deux pièces. Ici, qu'est-ce que... Ouais, c'est le roi que je n'ai pas encore. Parce qu'il est ici. Voilà. Ça ferme la porte, mais à la limite, on s'en fout.
parce que on peut très bien descendre par ici. Voilà. Donc. On commence par ouvrir ici avec le roi pour pouvoir récupérer le fameux fusil électrique. Cette arme plante des broches métalliques dans votre cible et vous permet de lui infliger des décharges électriques aussi longtemps que vous pointez l'arme en maintenant clic droit. Attention, si vous envoyez trop de courant électrique à travers les câbles de l'arme, ils se couperont après la dernière décharge. J'avoue que cette arme-là, j'ai du mal à la maîtriser. Apparemment, elle est assez puissante, cette arme, hein, parce que je vois souvent, dans des speedruns, les joueurs qui l'utilisent sur les boss, mais je suis pas douée, j'arrive pas à la maîtriser comme il faut, et du coup, moi, je me ramasse des sacrés claques dans ma gueule, donc... J'ai tout ramassé. Vous dire à quel point je la maîtrise pas, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si je vous avais déjà montré ça dans des vidéos précédentes, mais il y a des défis dans le jeu. Il y a des défis comme des trucs tout cons, hein, des trucs qui se font dans l'histoire principale, donc atteindre le commissariat, ce genre de choses. Ou alors tout simplement agrandir l'inventaire, ou modifier une arme, ou contre-attaquer avec une arme secondaire, des trucs, voilà. Pour vous dire à quel point je suis nul avec le fusil électrique... Voilà, tuer 5 ennemis avec le fusil électrique. Progression, 0. Je n'ai encore tué personne avec cette arme. Pourtant, en speedrun, il l'utilise, donc c'est qu'elle doit être vachement pratique, mais moi, j'arrive pas. À pas doué. Non! Trouve-moi la paix! Merde! C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave. Bon, on va refaire le tour, hein. Bon, il est gros. Il est où le gros pavot du coup? Descendre. Pourquoi je peux pas? Je te déteste. Je te hais. Je déteste ce truc. Ça m'a fait des dégâts? Non. Ok, donc maintenant qu'on a toutes les pièces, logiquement. On va pouvoir aller s'occuper de ça là-bas, mais d'abord... On avait trouvé une cassette qu'on n'a pas encore visionnée.
Please. Oh, please, stop. Stop. No, 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 no. Power here, you freak! Glad I watched that. Wait. On va s'occuper de l'énigme. Nous disions donc la reine ici. La reine, la reine, la reine, la reine, la reine. Donc, le roi là. Vu qu'en face, c'est censé être la tour. Et si je me suis pas trompée, c'est bon. All right, Sherry. On my way. On va faire c'est qu'est-ce que j'ai pris? C'est quoi le deuxième truc que j'ai pris? Mais non, mais j'ai pas besoin de ça, je... Qu'est-ce que je voulais prendre? Elle est où, l'arme? Attends, je suis passée à côté ou quoi? Ouais, non, elle est là. Ça devrait être bon. Must be out. Et vous voyez, c'est ça qui m'énerve. Ici, ça reste rouge. Pourtant, j'ai tout ramassé, mais étant donné qu'il y a encore ces prises, on peut enlever à tout moment, ça reste rouge. Moi, ça me perturbe, j'aime pas ça. C'était ça. Je suis peut-être un peu trop vite en fait. Parce que je vous ai même pas expliqué l'énigme. Il y avait deux aiguilles. Je suis allée trop vite, je suis désolée. Il y avait deux aiguilles. Et on devait mettre les deux aiguilles dans le petit endroit rouge pour rétablir le courant. Et chaque interrupteur redonne une certaine quantité de courant. Plus d'un côté que de l'autre. Il faut faire en sorte que ce soit égal et qu'il n'y ait pas une aiguille qui va trop loin par rapport à l'autre. Si c'est pas tous les deux, si les deux aiguilles ne sont pas dans le rouge, ben il y en a une qui a trop de tension. Et du coup, ça n'ouvre pas le, ça ne rétablit pas le courant. J'ai été beaucoup trop vite par habitude. Je suis désolée. En feu. Merde. Voilà, doucement.
on you. Oh, eh, oh, oh, hein, oh. Doucement. Non ! Eh, oh ! Tu ne me fonces pas dessus, mec ! Putain, quel con. J'ai été bien con, là. C'est pas grave. Non! Ouh! Merde! Non mais lâche-moi, mec! Hey, hein? T'es casse-couille là. The crane might come. Have I got a surprise for you? Mec, t'es casse-couille. Viens ici. Hurry, time for an encore. So sorry, Sherry. Il est quand même bien dégueulasse ce truc, hein. Taking forever. Logiquement, j'ai tout. Avant d'ouvrir la chérie, je vais aller sauvegarder. Parce qu'après, il y a des cinématiques et tout qui s'enclenchent. Donc. Oui, je suis en attention. Du coup, hop, si je suis en attention, on va prendre ça.
pas ok tout à fait vert, mais au moins je suis moins blessée. Alors, je sais pas si je vous avais expliqué ça, peut-être pas, parce que je pense pas que j'en avais déjà pris dans les anciennes vidéos, mais vous voyez en bas à droite un petit icône de bouclier. Quand on prend un mélange d'herbes avec de l'herbe bleue dedans, ça nous augmente nos défenses pendant un certain temps ou un certain nombre de dégâts. Donc là, on arrive à la fin, donc il va bientôt disparaître, hein, mais bon, de toute façon, je suis plus censé me prendre de dégâts pour le moment. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Ned said her lab's not far. Wait, that cable car. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Almost there, Sherry. We're almost there. Good. The cable car. Here. Okay. Here you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay, better check everything. There's no turning back. Petite vérification, est-ce que j'ai bien tout récupéré? Yes. Eh ben, on peut y aller. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Supposed to be lucky.
don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hey, hang in there, okay? Now, arriving at next. It's okay. I've got you.